Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau petit vlog avec Roro. Ah, Roland Garros. Ouais, comment? Open your bags. Open my bag? Yes. Ok, ça commence très fort. Moi j'ai du bordel parce que je suis à Paris depuis deux jours. C'est ma trousse de toilette, un casque, des ordi, des slips, des chaussettes. Ça c'est pas... Une sacoche avec mes papiers. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de casque. Non, il y a un casque là. Non, un casque. Mais pas un casque. Ah non, il n'y a pas, Ok Roro, bah ça commence fort. On est plus direct dans l'intro là, ils sont dans l'ambiance ouais. Roland Garros. On est parti porte d'Auteuil et là du coup on a rendez-vous porte 1 pour aller du coup voir le deuxième quart de finale, je crois, le troisième. Rude contre Rune, je crois. Rude, ouais. Rude contre Rune. C'est dur à dire. Rude, il a fait la finale l'année dernière contre Nadal. Peut-être plus pour qui là? T'as un petit peu de... Bah oui, je les connais pas trop. Hein. Ouais. Je crois que c'est des pays nordiques, c'est finlandais contre danois, un truc comme ça. Je crois que ça va être serré par contre. Mais oui, je pense que ça va être serré, ça c'est cool. On va se régaler, surtout que c'est la première fois pour toi. Première fois à Roland Garros, donc je te remercie mon petit bout. Mais il n'y a pas de problème. J'ai déjà hâte de m'asseoir et de voir l'ambiance. C'est la night session, donc c'est 20h15 jusqu'à la fin du match. Ça peut durer très longtemps, mais si ça dure trop longtemps, on partira avant parce qu'après on a de la route pour rentrer à Rennes. Sachant que pour l'anecdote, Genzo nous attend pendant tout le match dans la voiture. Ah oui, c'est vrai, Genzo, oui. Je sais pas si il a pas eu de place. Porte 1, Roro. Ouais, porte 1. T'as pas sorti ton petit polo avec le pull Ralph Lauren sur les épaules et tout? J'avoue que Roland Garros, c'est souvent ça. En mode. Ils ont leur petite chemise. Tu vois, ils sont trop chauds, mais ils vont être bien habillés quand même. Le petit chapeau, le petit short en lin et le petit mocassin. Le petit mocassin sans chaussettes, là. Alors que nous, les gars, j'ai vu un t-shirt de Zidane. Ouais, toi t'es bien toi. Ouais, mais j'ai vu que je suis mis en chaussures de padel. Chaussures de padel. Faut pas trop en demander non plus. Tu vas jouer, t'as envie de dire Roro va sur le terrain, tu vois. Hop là, c'est bon, ça part. Oh bah là, du coup, c'est le cours central, tu vois. Ça ressemble presque à un stade de foot, tellement c'est grand. Alors que devant, c'est un terrain de tennis. Hein. En vrai, j'en veux en prendre plein les vidéos. Ouais, ouais. On est invité avec Prime Video. Voilà, je vais rien vous cacher, les gars. C'est Prime Video. Ils m'ont dit, vas-y, tu veux des places? Vas-y, tiens. Bah, moi, les gars, je fais kiffer, ça fait plaisir. Et j'ai été la semaine dernière avec la FFT, la Fédération Française de Tennis. Ok. Pour voir une journée, c'était pendant le tout début. Donc ça enchaînait les matchs et c'était trop bien. Ah ouais. En Roland Garros, moi, les gars. Bon, après, j'aime bien le tennis, mais vraiment, c'est un kiff de fou. Ouais, y a une ambiance particulière. Les joueurs et tout, non, vraiment. J'ai toujours suivi ça, bah, comme plein de monde, je pense, dans la vidéo à la télé. C'est le rendez-vous annuel. Les beaux jours, on est tous passés par là. C'est genre en mode, tu sors tes raquettes une fois dans l'année, et là, tu joues jamais. Tu joues jamais. Tu t'appelles tes potes, tu fais, on dirait pas de taper dans la balle. Juste parce que y a Roland Garros en fait. Oh la vache, il y a une petite queue là. On est peut-être en avance, on verra bien. Je rodais autour du stade parce que je suis un peu arrivé avant toi, quoi. Les gens ils me regardent en mode, putain, il va essayer de s'incruster ou quoi. Putain. Mais du coup, non. Là, on est vraiment en totale légalité. Le sac. Hein? Voilà, on est mort. Pourquoi? J'ai 50 000 trucs dans mon sac. Les gars, j'ai toute ma vie dans mon sac. À chaque fois que je pars, même 2-3 jours, j'ai tout dedans. J'avoue qu'il est venu avec la taille de son sac. C'est pire qu'un collégien qui arrive le jour de la rentrée. C'est ça, un collégien qui a le sac beaucoup trop grand pour lui. Allez, le sac cadeau, mon pote. Il est venu faire toute sa vie ici. La petite fouille, le petit palpage de couilles en bonne et due forme. Hop là, il est passé. Hop là. Putain, avec tes caméras cachées, il y en a, ils te regardent d'un mauvais œil. Ah ouais. Super ça. Hop, on est bon. J'ai officiellement ma place. Ça fera 1000 balles. Tu m'as fait pas dit ça. Oh, regarde, on a accès au village quand même. Je me suis dit là, Night Session, est-ce qu'on... Oh, ouais, un petit terrain, est-ce qu'on aura... Ah, putain, ouais. Ça va les gars. Vous êtes pour qui là? Ah, Zverev, direct. Ah, Zverev. Allez, il est en combien là? 3ème set. 4ème là, non? 5-3 là, il va gagner. Là, il y a 5-3. 5-3, ok. Alors, vas-y, quoi? Avec vous deux, avec vous deux. Alors, tu vas faire des vues. Alors, je te jure, tu vas faire des vues. Avec toi, je vais faire des vues. Let's go. C'est qui est favori? Moi, je vois Rune aussi. On a rendez-vous pour le match de ce soir. Il faut être quand, avec qui, comment? Normalement, ça sera à partir de 20h, mais ça va dépendre du match qui est en train de se jouer là. Ok. Donc, à partir de 20h, on se présente là-bas et. À votre porte. Et sur le village, est-ce que vous nous conseillez des trucs qui sont à faire absolument? Vous avez accès au village? Oui. Ouais, je pense. Vous avez des bracelets VIP chez VIP? Est-ce que t'es un vrai VIP, toi? Peut-être pas. Aïe. Merci quand même. Ah, merci. On n'était pas encore assez VIP, vous y. Dommage. Mais oui, je l'avais eu là. Mais ça, c'est pas le village. Ça, c'est pas le village. En fait, le village, c'est vraiment. Parce que le m'a regardé point, un peu comme un sombre tocard, tu ouais, vois. Attends, tu crois vraiment que tu vas aller dans le village, village, toi, mon pote? Est-ce qu'avec ta gueule, tu crois que tu es dans le village? VIP, je crois pas que tu sois VIP, VIP, mon pote. Bon, t'as la boutique. Vas-y, si t'es prêt à dépenser une centaine d'euros pour un t-shirt, est-ce que tu te demandes qu'est-ce que tu fous là? Ça, tu peux te l'acheter. Ça c'est encore dans les prix. 12 balles quand même. 12 balles. Non, arrête, tu mens. C'est sûr non. 12 euros. Ah, ça doit être le truc le moins cher quoi. Je pense qu'on va rester les mains vides. Tu parles plus peut-être. On va rester les mains vides, je pense. Bah après vous avez le porte-clés à 12 euros. 12 euros. On l'a vu,
C'est ça le problème. On propose pas les casquettes Lacoste à 70. Non, non, t'inquiète. Nous, nos casquettes, c'est 26. Ok. Eh ben, bonne soirée. Merci. Non, non, ne nous propose pas. Est-ce qu'on a accès à ce restaurant là? Ça se régale ici. La vraie question, c'est on sait pas encore si on a à manger là-bas. Donc, on peut vraiment sans. Attends, c'est quoi, Roro, ici là? Waouh. Il y a le match. Ah, mais c'est la fin. Ah ouais. Le VRF qui a dû gagner. C'est pour ça qu'ils ont applaudi. On arrive vraiment au pire des moments, on va même pas avoir un point plus. Ah ouais, mais c'est le tabord. Ah ouais, en vrai, ils sont bien. Les gens sont posés, il y a le mat juste là en fait, il y a une télé. Est-ce que tu penses que c'est que des gens qui ont des places après? Il y a des gens qui sont juste là en mode, tiens, je vais me faire un petit transat devant l'écran. Ouais, non, je pense que c'est quand même des gens qui ont des places, non? Bah nous, l'objectif, les gars, ça va être d'aller se prendre une petite bouffe et après, on va au match, non? Ouais, ouais. On fait ça? C'est chaud, parce que là-bas, c'est genre, on s'assoit, il n'y a pas de... Ouais, il y a pas de stand. On fait une petite bouffe, ça. Ouais, vas-y, on se fait ça. Les gars, je crois qu'on peut pas être plus heureux là. On vient de voir une dinguerie. Tu viens de dire la première mission, ça va être de trouver à manger, et là, on tombe sur quoi? On tombe sur un stand de rougail saucisse. Et en plus, de la Réunion, en plus. Le rougail de l'île de la Réunion. Oh là là. Les gars, le rougail saucisse, c'est une spécialité réunionnaise. Je pense dans le top 3 des meilleurs trucs à bouffer. C'est un petit classique pour nous, parce qu'à l'ancien local, tous les jeudis midi, il y avait un petit camion. Ah ouais. Qui faisait un super rougail. Ouais, et du coup, on va pouvoir comparer. Oh, les bons souvenirs de fou. Donc là, les gars, petit rougail. Qu'est-ce qu'il y a, Roro? Je t'invite, mon petit bousy. Ah ouais? Ça me ferait plaisir. Une invitation de Roro, les gars. Je vais pas. T'as filmé, c'est dans la boîte. Ouais, je suis vraiment un mec généreux. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Ouais. Prendre deux rougailles saucisses, s'il vous plaît. Deux rougailles saucisses. Toi, tu bois quoi, toi? Bah là, c'est toi qui paye. On va peut-être prendre une bouteille, non? Ah, mais là, il n'y a pas d'alcool, je crois. Ah oui, non, ouais, bah. Un fusil. On a de la porte. Ah, il y a quand même de l'alcool à Roland-Garros. Non, mais on va prendre un fusil. Mais toi, tu vas prendre une pinte, je pense. Ouais, moi, je vais me laisser tenter par une petite. Je bois rarement de l'alcool, monsieur. Rarement. Oui, il rigole. Il n'y a pas de mal à ça. Hein. Parce que t'es pas crédible. Et un Kit Kat en dessert. Et on va prendre une bouteille d'eau en plus. 57 euros, je crois. Non, je pensais pas que c'était cher. Non, arrête. 57? Je t'invite. Ah bah on fait un restaurant là. Ça c'est pour la déconsigne du verre. Vous revenez avec le verre vide et stické. Ah ça c'est malin. Ça c'est top. Mais après le verre on va le garder hein les gars. Enfin on va le garder. Un souvenir. C'est vraiment un petit souvenir de Roland Garros. Exactement. Vu que le porte-clés à 12 euros était trop cher, j'aurais mon verre consigné à 1 euro. Ah oui c'est déjà prêt. Il n'y a pas d'attente. Hein. L'abus d'alcool est dangereux. À consommer avec modération. Exactement. Bonjour, vous êtes 3-4. Est-ce que ça vous... Yes, thank you very much. Bon là on est pas mal gros. Ouais, on a trouvé de la place, on a demandé à des gentils anglais qui étaient à côté de nous, ils nous ont dit pas de soucis les gars. Comment ils ont dit en anglais? Des bogus, you are very bogus, you can sit here. Oui, oui, j'ai compris ce que tu veux dire mais je dirais pas plus souple. On fait un unboxing. Un unboxing d'un rougail saucisse de Roland Garros. Oh là là là, il a l'air pas mal. Ouais, il a l'air pas mal. Il a l'air généreux en saucisse déjà, c'est cool. On va le dégommer. Je te laisse attaquer, Roro. Déjà, tout de suite, on va goûter juste sa saucisse, savoir ce qu'elle vaut toute seule. En plus, on est pro des saucisses, nous. Ok, t'aimes bien. Ah, ok. Elle est bien. Ok, à elle moi. Elle est bonne. Il vaut 15 balles, mais au moins, il est bon. Tu sais, des fois, tu payes des trucs chers et en plus, tu dis non, mais c'est abusé, il y a trop de saucisses, gros. La tienne, à ce petit match, je crois. À ce petit match, le quart de finale. Roro, est-ce que t'es chaud? Il y a un truc à Roland Garros. Moi, j'ai pas les couilles. C'est lancé, hein. Hop, 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 hop. Allez! Et le but, c'est de pas flop, évidemment. En vrai, je suis chaud. Tu penses que t'as les couilles? Moi, je pense que t'as forcément les couilles. Les couilles. Tu pourras même tenter des trucs de fou. Le vrai truc, c'est est-ce que quand je vais me lancer à fond, il y en a qui vont suivre? Ou alors, s'il y a personne qui suit, ça va faire tout le monde se tourne vers toi. C'est qui? Mais en vrai, ça peut être drôle. Je relève le défi avec plaisir. Et évidemment, ça sera filmé, les gars. Et le timing, j'avoue qu'il va pas forcément être simple à trouver, mais on va le faire. Tu sais, ce qui serait marrant, c'est dans le montage, c'est de prendre juste ce petit moment. Ça passe sur Amazon. Et tu sais, voir ça donnait quoi à l'oral, tu sais, pour le spectateur. Parce que oui, les gars, vu qu'on est en night session, c'est sur Prime Video et non sur France Télé. Enfin, je crois que c'est que ça marche comme ça. Hein. Toutes les sessions du soir, c'est sur Prime. On vient de finir de bouffer. On est dans un timing parfait. Oui, il est quelle heure là, Roman? Est-ce que tu peux montrer à la caméra? 19h44. 19h45. Le temps d'aller s'asseoir, il va être 20h. Et le match, il commence à 20h15. Peut-être un petit tour au shot quand même. Ouais, vas-y, chaud. Bon, les gars, Roman, on est quelle place? Enfin, quelle porte? On y est, mon pote. C17, regarde, c'est juste là-haut. C17? Ah ouais. Non, putain, j'allais dire pareil là. C17. Elle était fraîche, elle. Ouais. Elle était fraîche. Elle faisait semi du nez, tortue géniale. Ouais, même pour un robot, t'avais envie de la dégommer, tu vois. Ouais, c'est vrai. On dirait pas on va à un stade de foot. Alors qu'on va sur un putain de terrain de tennis. Ah ouais. On est direct là. Waouh. Non mais là, on est trop bien. Mais... Là, on y vient, là. Putain, les gars, on est à Roland-Garros. Avec Roro. En train d'aller voir une quart de finale. Et 6 ans. Tu sais, c'est de plus en plus rare les premières fois dans ouais. Vie, tu vois. Plus t'avances dans ta vie, plus t'as... Plus t'as déjà fait, quoi. T'as déjà fait, quoi. Et là, maintenant, là, j'aurais coché Roland-Garros, je me rappellerai toute ma vie. Ouais. Roland-Garros. Je sais pas s'il va être complet, mais normalement, il va y avoir du monde. Hein. Après, rue de rune, en vrai, les gars, sur le papier, c'est pas non plus fait. Ouais, mais ça reste un quart. Oui, ça reste un quart, ça veut dire que les mecs. Les gens qui ont leur place, franchement, là, quart de finale, tu sais que le match va être serré en plus. Va être serré, ouais. Pa-p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 a-
Ça résonne, mais parce qu'il est vite. Pour tout vous dire, les gars, le match est censé commencer vers 20h15. Il est 19h55. Ça va commencer dans très peu de temps. Regardez qui nous a rejoint là. Un joueur pro là. Il y a un joueur 35. Tu l'as eu où? Cette caméra? Tu l'as eu où? Ça va. Elle sort le 15 juin. Ah, j'ai le contact. J'ai le contact. Connais moi ça. Elle est incroyable. Connais la date et tout. Je suis un fan extrême de la Alegria. Bah ouais. Oh là là. Est-ce qu'on n'est pas heureux là? Franche, je peux te la voler. Attends, je te donne le contact. Je t'ai montré, je t'ai envoyé une photo de toi de dos. Non, c'est vrai. Je t'ai envoyé une photo de toi de dos. Pas trop bien. Parce que c'est pas non plus sûr que c'est toi. C'est là grâce au match qu'on a fait contre Justine Marden et Arthur Gia. Grâce au match j'ai gagné en 3 échanges avec Justine. Non, mais trop bien alors. Et du coup, toi, t'es juste derrière là-bas? Ouais, en bord des lières. Il voit pas en plus, je peux voir un peu. Bah, faut que tu conduises, Roro. Par contre, gros relance, hein, pop. Ouais. Petit follow. C'est très vibe inachevé ça. Ouais. Il m'a lancé un défi, il m'a dit est-ce que t'es capable. Est-ce que toi t'es capable? Non. Non. On sort de bider, tu vois. Ouais. Il y a rien. Alors que moi, limite, j'ai envie de bider. Ça va être très très drôle. Petite pause pipi, les gars. Là c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là on était en galère totale, on voulait absolument une bière. Il y avait des heures de queue et là on est tombé sur notre sauveur, mec. T'as de la bière dans son sac, s'il vous plaît. T'as de la bière dans ton sac? Exactement. Attends, mais je rêve ou quoi? Est-ce que je vais me retrouver sur les réseaux sociaux? Elle est fraîche? Exactement. Fraîche comme toi. Moi j'ai pris 3 pintes, vous prenez quoi vous? Non, rien, rien. C'était une blague pour son blague. Ah, t'as dit quoi? Moi, j'avais pas compris la... Ah, 3 pintes en mode pour toi tout seul. Ok. Non, une chacun, les gars. Après, vous pouvez pas rentrer à l'intérieur donc ça va être plus sec. Hein. Ouais, mais allez, ça... c'est moi qui invite sur celle-là. Oh là 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 là. Et en plus, j'ai les coordonnées. Ouais, on les garde, tu screens et tu me l'envoies. Et là, j'ai hâte de voir comment ça va se passer là. Alors, en revanche, il me manque un coupon. Moi, j'en prends pas, moi. Pourquoi? C'est quoi ça? C'est pour récupérer les 2 euros du verre. Ah, mais c'est pas grave. Moi, le mien, je m'en fous. Ah oui, c'est moi qui ai payé. Mais oui, on s'en fout. Ouais, moi je le garde en souvenir. Oh là là là. Ah ouais. On voit le professionnel. Pas trop de mousse. C'est incroyable. Franchement, et le loyer, ça se passe comment quand t'es un bar ambulant comme ça? Un bar ambulant. Mais c'est hyper rentable. Dans le centre-ville rennais, on va voir le samedi soir, les gars, une petite. Mais non, mais sur la plage. En vrai, tu peux. Ouais. Sur la plage. Tu te mets une table et tu te fais une terrasse à toi. Mais sur la plage, mec, c'est incroyable ça. Sur la plage. Non, heureusement. Par contre, d'alcool, t'as pas le droit. Je l'ai fait tout à l'heure, il se fait taper sur les doigts. C'est réglementé quoi. Ouais, mais tu fais ça illégal. La mauvaise nouvelle, c'est qu'au tennis, y a pas de mi-temps. Ah putain. Regarde-moi cette moustache là. Ça c'est vraiment. Il y a pas de mi-temps, donc ouais. Là t'es baisé. Là c'est la dernière avant la fin quoi. Ouais, ou alors faut le voir aussi de l'autre façon, c'est que tous les deux jeux, il y a une pause. Est-ce que c'est court pour aller courir? Non mais les gars, c'est pas possible. Je suis avec qui là? En vrai j'en ai l'air en coloc. Oh putain, mais là le match va commencer. Ah ouais. Je vais me l'acheter en sac à dos. Ah ouais. T'as envie de l'acheter? Même pour une vidéo, un truc comme ça peut toujours servir. Ça commence dans une minute. Donc là tu me demandes de faire un cul-sac quoi. Sinon je me casse sans toi. Non. Mais non. Moi je suis pas à ça, moi. Non. Non, Roro, non. Il a dormi à côté de toi. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Ah, je peux faire mon bébé. Ouais, bien sûr. Merci. On va pas louper le débat. Ok, bon, bah là, c'est la bonne, je pense. Oh, on a tous savouré cette petite bière avec Pierre. Savouré, je sais pas. Mais tu l'as vu, en tout cas. Et des joueurs, les gars. Un cop derrière nous, ouais. En fait, ils ont droit, j'ai deux. Un cop, mais pour les deux. Le cop, il est limité. Bon, là, Roro, échauffement des joueurs avant match. Est-ce que tu es capable de me dire qui est Rune et qui est Rude? Alors, Rune, il est au fond. Et Rude, il est là. Pour une, toi? Du coup, moi, je serais pour Rude. Moi, je pense que ça va être Rude pour Rude. Ça va être Rude pour Rude. Cette saison, il a remporté le tournoi de Munich. C'est nul comme jeu. Non, elle est bien, les gars. Vainqueur du Rolex Paris Masters, le Danois. On a
vraiment l'air de boomer, les mecs, les joueurs, non, ils ont 4 et 6, ils ont 23 et 24 ans. Putain, moi j'ai 28 ans, c'est mes petits, ça, hein. C'est horrible. Déjà, j'avais, je crois, 20 ans, 21 ans. Moi j'avais le même âge quasiment que Nadal, quand il a commencé à gagner, je vais avoir 20 ans, il en avait 18 ou 19. Et moi, la seule chose que je faisais, c'était prendre des cuites en boîte de nuit. Et dimanche, j'avais, enfin le mercredi, j'allumais ma télé. Et là, on disait, regarde, lui, il a 19 ans, il fait ça. Et toi, t'es là en mode, donc là, on a le même âge. Il est en train de rouler sur. Parce que tu sais, joueur de tennis. Après Nadal, vous l'avez sûrement connu plus tard, je crois, quand c'était déjà Nadal qui était très très fort. Et quand il avait 19 ans, et qu'il roulait les réseaux du monde, t'es là en mode, mais c'est qui? C'est là en mode, attends, on a le même âge, j'ai vu que ça. Donc. Le seul point commun, c'est l'âge, quoi. Ouais, c'est ça. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, tu peux pas partir et venir comme tu veux. Tu es obligé d'attendre la fin d'un jeu, ou voire même de deux jeux, avant de pouvoir partir ou venir pour éviter que les joueurs soient distraits. Donc là, les gens ils rentrent d'un coup en masse, quoi, ou ils sont en masse, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui partent, qui reviennent en même temps, pendant que les joueurs sont en pause. Et là, c'est une petite pause de combien de temps à peu près? 2 minutes, quoi. J'avoue, je sais pas, mais ouais, ça doit être ça, 2 minutes. En fait, ils ont un compteur, on le voit pas, mais en face d'eux, là, sur les barrières, ils ont un espèce de petit compteur à côté des comptes. Ok, ah ouais, là, regarde. Ah ouais, bah, tu vois, nous on l'a là. C'est court, quand même. Ouais, c'est court là. Ce qui est filmé à la télé. Le pilote de ça, les gars, je peux vous dire qu'il a un brevet bac plus de technologie de malade. Yeah! Allez, Rude, réveille-toi, j'ai parié sur toi! Rune, il commence très mal, les gars. Allez, Rune! Bon, là, les gars, Rune, il est pas du tout dans son match. Il est pas du tout. Oh, il a fait un deuxième service de malade. Hein. Il a tenté, hein. Il savait qu'il avait de l'avance. Et si je l'avais dit faux, en vrai, il est magnifique pour un deuxième. Bon, bah les gars, premier set terminé. En combien de temps? En 27 minutes. Wow. C'est expéditif. Après, on m'avait dit que c'était long un match de tennis, mais ça va. Si c'est comme ça, ça va être relativement court. C'est comme un match de foot. 7-0, 90 minutes. 90 minutes. Petit truc à vous dire. Ce qu'on voit à France Télé ou à Prime Vidéo, en fait, les terrasses, elles sont là. Tu vois? Dans les angles. Tu vois, là-bas, il y a. Dans ouais, chaque angle qui est là. Ah oui, ça va. Il rentre dans le match, les gars, il va le faire. Ouais, il a gagné son service. Ouais, mais il a gagné avec la manière. 40-0. Non, mais il va rentrer pas dessus, il va se faire, il va revenir. Balle de deuxième 7 à 0. Il va remonter. Yes. Il est mec, il est encore en vie. Allez. En une heure de jeu. 6-1, 6-2, c'est ça? T'avais parié combien? 38 jeux? Il en a mis 3 sur 2-7. Bah là, faut que vous soyez en 5-7. Ça va être relativement compliqué. Donc là, vu que c'est la fin de la 7, il y a les gens du ménage, non, je sais pas comment on peut dire. Ils vont venir lisser la terre battue pour la remettre comme neuve. Et les balayeurs qui vont nettoyer les lignes blanches. Parce qu'avec la terre, du coup, il y a de la terre qui se met sur les lignes blanches et on n'arrive pas trop à savoir du coup si elle est bonne ou pas. Je pense que les gens, ils comprennent ça. Ils sont pas trop cons. Bon, j'explique au cas où. Petit arrosage. Est-ce que tu sais pourquoi ils arrosent? Pour que la terre colle plus. Ok. S'envole ou... Pourtant quand il pleut ils arrêtent le match, c'est quoi la différence? Ah bah je pense que quand il pleut c'est parce que ça devient trop, non? Je te posais une question piège. Non, là ils arrosent vraiment, ils humidifient la piste. Un
match du Stade Rennais, oh là, les gars, il s'est trompé. Hein. Il s'est trompé. Je vais le battre au Montana, les gars, on va vous le battre ici avec Guzzi, c'est obligé. C'est écrit d'avance. Montana c'est que vu que l'arbitre il avait déjà dit genre merci, je savais qu'il y avait personne qui allait dire olé, mais moi j'ai fait mon propre olé et l'arbitre t'a fait bah s'il te plaît s'il te plaît je viens de dire merci comme ta gueule. Oh, du coup à un moment j'avais commencé le coup avec l'arbitre, il a dit merci, je savais qu'il y aurait personne. C'est le plus gros flop de Roland Garros. Du coup faudrait qu'on l'ait à la télé, ce serait marrant, tu sais, avec oh là, c'est sûr. Aucun bruit dans le stade. Oh, c'était le pire de tout le match. Il gagne le 7 là-dessus, donc ça t'arrange. Ouais. C'est un mal pour un bien. Bon bah Roro, je crois que Prune a lâché. Hein. Dernier jeu, il a pété un câble. Balle de match. Il a voulu charrier ou je sais pas. Balle de match, les gars, je vous montre. Balle de match, les gars. De toute façon, il va y en avoir beaucoup. Hein. Ça joue 40 à avantage. Regardez ça, c'est un surhumain. C'est un surhumain. Et là, c'est plus service gagnant. Hey, c'est plein direct. Donc il est revenu, il a pris le jeu. Il y a 5-3. Il y a 40-0. Ouais, au moins qu'il en sauve une pour l'histoire. Dans son canapé. Ah. 2h44 de match quand même. Hein. Quand on a vu le début, on s'est dit merde. C'est pas venu pour grand chose. Au moins, il est rentré dans son match. Au moins, il est rentré. On a vu du beau jeu. Au début, le troisième set, le quatrième, il y avait des jeux exceptionnels avec des 40 avantages, machin. Non, vraiment, c'était un bon match. Ouais, c'était un bon match. Je vous mets derrière le temps. 2h44.
Bon voilà la fin d'une session de nuit Roland-Garros. Il est quelle heure là Roland? Il est 23h20, c'est la fin d'un match de Roland-Garros, putain. Quand j'étais petit, c'est jamais ça pouvait exister ça. On est rentré, il faisait bien jour. Il faisait... Et là, il y a un soir, il fait complètement... Pardon. Donc là, on prend la route, on prend ta 208. On est même avec la voiture de Genzo. Ah, la voiture de Genzo. Le Renault Clio. Et on repart direction Rennes. Arrivé approximative à quelle heure? 3h du matin. Ouais, 3h, 3h30, on prend une petite pause, je pense.